Le film catastrophe, il peut y avoir l'idée d'un film anxiogène, terrible, terrifiant et tout ça, mais il y a aussi une histoire à l'intérieur de cette histoire catastrophe. Il y a une histoire d'amour de mon personnage qui veut absolument essayer de retrouver cette femme qu'il aime en Belgique. Il y a cette relation avec son ex-femme et sa fille. On va pas la ramener à la maison à chaque fois qu'il pleut. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements, vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. C'est la force du film en fait, c'est qu'il y a une petite histoire dans la grande. Et je trouve que c'est ça qui est très très réussi dans le film en fait. Selon l'INRS, les pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes, hein. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les deux jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Je suis très alarmiste et alerté et flippé, inquiet en fait. Mais je suis pas pessimiste en fait. Je pense que on peut, avec une grande volonté et avec une cohésion, une cohérence, une complicité de tous, de toutes et tous, on peut, je pense, j'espère, j'aimerais bien qu'on puisse inverser la courbe, la tendance, et régler ce qu'on a foutu en l'air en très peu de temps finalement. Et je pense que si on a été capable de foutre en l'air à cette vitesse-là, on est capable peut-être aussi de reconstruire aussi rapidement que ça en fait. Bien que les scientifiques soient eux très pessimistes. Il y a 15-20 ans que ça a commencé pour moi à me rendre compte de certaines choses en fait. Non pas que je m'en foutais en fait avant, mais je pense que simplement par les gens que j'ai rencontrés, les prises de conscience, enfin la connaissance, ce qu'on m'a expliqué au fur et à mesure, des choses que j'ai pu apprendre au fur et à mesure. Vas-y, 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. J'ai voulu faire prendre du poids, j'ai pris 8 ou 9 kilos de muscles et de graisse parce que j'avais envie que ce personnage soit un personnage un peu trapu, un peu costaud. Et que, en fait, bien qu'il ait cette apparence-là, ça soit un personnage brisé par la vie, comme un ours blessé, et qui dit animal blessé, dit animal violent, dangereux, irascible. Voilà. Et donc, c'est le personnage du début du film. C'est un personnage qui est très, très, très en colère, en fait. Et donc voilà, j'ai essayé de travailler là-dessus et puis j'étais un peu dans mon coin pendant le tournage. J'ai pas beaucoup participé à la vie du tournage, c'est-à-dire le soir d'aller dîner avec l'équipe, avec les acteurs, avec tout le monde. J'étais pas très sociable parce que j'avais envie aussi de développer, de trouver la solitude de ce personnage. Faut que tu me fasses confiance maintenant.